quitte les profondeurs de la terre féconde, Cérès, nourricière du monde. Musique pour l'œil, c'est un nouveau projet qui explore les formes artistiques empruntées au tournant du siècle dernier pour séparer la musique de la source sonore, telles le théâtre de marionnettes, le théâtre d'ombre, le mélodrame, le mime avec accompagnement musical et les tableaux vivants. En mai prochain, musicologue, musicien, marionnettiste et historien, spécialiste de la danse, archiviste et chercheur venu d'Europe et d'Amérique du Nord, participeront à un colloque consacré à ce projet. Au cœur de l'événement, une représentation scénique de l'adaptation française de La Tempête de Shakespeare par Maurice Bouchard. Des marionnettes à clavier reconstruites par Mirek Traitenard à partir des dessins d'archives et représentatives de l'esthétique symboliste tout autant que des traditions folkloriques du sud de la France seront utilisées. La musique composée par Ernest Chausson pour La Tempête a été reconstruite par le jeune compositeur Alexei Chegolev dans sa version originale pour Septuor. Un extrait de l'œuvre avec la récitation dramatique a été présenté à l'Université de Montréal l'automne dernier. Elle sera donnée en entier le 31 mai prochain au Collège Vanier dans une mise en scène de Dina Higstall. Nos marionnettes danseront sur une chorégraphie de Stéphanie Schroeter.